Wesh! Bonjour YouTube et Twitch, ouais, bon, bref. N'oubliez pas de laisser des pouces sur YouTube, n'oubliez pas de commenter, partager, vous abonner, tout ça. Bon, c'est surtout pour la rediff, hein, comme ça au moins j'ai pas à me redoubler. Les amis, on est sur la suite de Yo-Kai Watch 2 et aujourd'hui c'est l'épisode 111, je crois. Ça va être l'épisode chiant parce qu'aujourd'hui on va essayer d'avoir. Comment s'appelle-t-il? Corniak? Kiano, tu ressembles à Kermendo. Merci, ça par contre j'ai compris. Je suis vraiment en train de faire la même chose, je suis à 9500 mètres. Oh là là. Bon, alors, tunnel sans fin. Bah, en fait, les gens, pour aller chercher ce yokai, il faut utiliser une strat. Pour que le tunnel sans fin soit littéralement sans fin. En fait, en fonction des choses que tu dis, que tu... Enfin, les réponses que tu fais et tout, et ben en fait, le tunnel, il agrandit ou il rétrécit. Genre, comme d'autres choses longues. Bon, alors, j'ai trouvé un guide sur jeuxvideo.com. Merci à Krapop qui a écrit ce message le 1er mai 2017. Et donc, en fait, dans le tunnel sans fin, on rencontre des personnages. Et ces personnages, il faut leur donner une... Enfin, comme l'emmêleur ou la petite fille, ils nous posent une question. Et en faisant de la question qu'ils nous posent, la sortie du tunnel va plus loin ou moins loin. Heureux, Dragon Kai. Et donc, en gros, et ben, c'est ce qu'on va devoir faire. L'emmêleur, on a des questions à voir. La petite fille aussi, je crois. Que le poulet, la femme curieuse, on s'en fout. Ça change rien sur le tunnel. Ok, bon. Les interrupteurs, faut pas le faire. Je pense que c'est du hasard. Les interrupteurs et le train, faut pas le faire. Donc les yokai, nous, c'est Corniak qu'il nous faut. Corniak, c'est après 8000 mètres. Waouh. Vous êtes prêts, les refs? Parce que moi, ça va me casser les couilles. J'avoue, t'as quel âge, Kirbendo? Et votre mère, elles ont quel âge? Hein? C'est quoi ces questions? Qui vous a élevé? Pas vos mères apparemment, ou alors mal. Corniak, oh là là, on va enfin s'en débarrasser de ce truc de merde. Comment tu fais les âmes ultimes sur manette, sur émulateur? Je fais à la souris. Donc 8000 mètres, hein. 8000 putain de mètres. Lui c'est qui? L'emmêleur, ok. Donc l'emmêleur nous pose une question. Tu trouves une pomme bien croquante et juteuse par terre. Elle est rouge et mûre, elle a l'air délicieuse. Que vas-tu en faire? Je la mange, je la laisse. Comme la laisse de son chien, il est trop moche son chien. Donc je la mange, on reçoit un article, je la laisse seule, la sortie est plus loin. Non, c'est pas ça. Je la mange, on reçoit un article, ouais, seule, ouais, si ça. Je la laisse seule, vas-y. Tu as l'air d'être quelqu'un de sympa, bien. Voilà, ok. Bon, dès qu'on arrive à 1000, on fait une save state, hein, histoire de pouvoir continuer. Enfin, histoire de pas recommencer tout si on fait une bêtise. Le poulet, il fait un truc. Merde, bon, tant pis. Je l'ai laissé passer. Alors ça, comme je vous ai dit, on ne le prend jamais. C'est littéralement une chance sur deux, soit d'aller plus loin, soit d'aller plus en arrière, donc non. Ah, le poulet, donc faut le manger, c'est ça? Tu as sûrement mangé des membres de ma famille avec des frites, mais ça va, je suis un poulet, je comprends. Je veux savoir s'ils étaient bons. Tout va bien, promis, ça a été délicieux, merci, quel soulagement d'entendre ça. Si l'on me mange un jour, j'espère que ce sera frit, avec une sauce piquante. Et vous, si on vous mange un jour, vous espérez que ce sera comment? Tu as l'impression que tu dépasses ça sur le tunnel, oui. Oh, des petites cuisses de poulet. C'est peut-être les cuisses de ses enfants. Disons que je suis ton professeur d'anglais. I know speak English. Je te donne la responsabilité de donner les devoirs à faire. Que choisis-tu? Un long devoir. Trois petits devoirs. Un long devoir, ça fait qu'on se bat contre un yokai et que la sortie est plus loin. Eh bien, tu aimes tant que ça faire tes devoirs? À ce type qui paraît. Tu cherches quel yokai là? Tam... Ah, Corniak. On a de quoi comment il saute. Et comment il agite sa queue là. Allez, 2100. Tu as eu un accident, tu meurs. Que c'est triste. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a, s'il meurt, c'est pas très triste. Sur ton lit de mort, que choisis-tu? Retour à la vie ou réincarnation? Hein? Quelle est la putain de différence? Quand t'es mort, tu choisis d'être réincarné ou de revenir à la vie. Mais what the fuck, quelle est la différence? Bah, en tout cas, faut mettre retour à la vie. Réincarnation, comme ça, la sortie est plus loin. En fait, je vais parler qu'à l'emmêleur, les autres. Ah bah, voilà, encore. Alors, tu vas rendre visite à un ami qui vit très loin. Comment t'y rends-tu? En vélo, la sortie est plus loin. En train, rien ne se passe. Et en avion, la sortie est plus près. Donc, en vélo. Pourquoi on passe pas dans les commentaires du live? Je sais pas, parce que vous êtes passage. Si vous faites pas de dons, faut faire des dons pour que vos commentaires y passent. Et on arrive quand à 3000 là, on est toujours pas à la moitié. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Vraiment, mais les yokai du tunnel sans fin, je comprends les gens qui veulent pas chercher Dynamo dans le tunnel sans fin. Genre, faut être déter, hein. Vraiment. Il y a un truc qui est un peu nul dans le tunnel sans fin. C'est que quand tu dépasses les... Quand t'es entre 8000 et 20000 mètres, tu commences à rencontrer un certain nombre de yokai rares. Dont Corniak et Dynamo. Mais en fait, le problème, c'est que tu peux aussi rencontrer... Donc, la liste complète, c'est Dente, Dynamo, Scarnage, Corniak, Chocho, Damona, Vampiric, Goruma, Nimpegaz, Espy, Pepezbrouf, Tengu, Omnitonton, Tataora. Donc ça fait que pendant tous ces mètres-là, tu rencontres assez souvent l'un de ces yokai. Mais comme la liste, elle est longue comme le bras... Et bah genre, les chances que tu rencontres Dynamo dans cette liste, elles sont basses. Et après, les chances que tu deviennes ami avec Dynamo dans cette liste, c'est... ça arrive, hein.
Genre, c'est de la chance, quoi, tu peux y arriver du premier coup, mais c'est un peu chiant quand même, hein, je comprends. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment long, hein, comme ma... Je disais, comme mon intelligence, comme ma raison, comme mon envie de vivre. Mon max, c'est plus 10 000 mètres. Moi, mon max, je l'avais fait en vidéo, hein, pour avoir Dynamo, justement, que j'avais pas eu. Et je sais plus. C'est quoi le lore autour du tunnel? Je sais pas. Je pense que le tunnel, c'est un peu une succession de trucs un peu random, en vrai. Je pense à l'origine, ça vient un peu de la même légende que le film Le Voyage de Chihiro. Genre, Le Voyage de Chihiro. Non mais je pense qu'à l'origine ça vient un peu de la même de la même légende japonaise. Après par contre tout le délire avec le boss et tout genre un peu plus étonnant. Bref, alors tu es sur le point de vivre un changement important. Une nouvelle maison, une nouvelle vie. Mais où t'installes-tu? Si tu mets endroit cool, la sortie est plus proche. Et si tu mets endroit chaud, ben on a un cadeau et un combat. Donc super. Comment battre 100 fois Philomène? Attends, laisse-moi réfléchir. Je pense que il faut que tu ailles dans les limbes éternelles, puis dans le sanctuaire divin, et que tu battes Philomène. Et après, je suis pas sûr, hein, c'est une théorie. Après, tu reviens dans les limbes éternelles, tu vas dans le sanctuaire divin, et tu rebats Philomène. Après, je crois que c'est là que ça se complique. Parce qu'il me semble qu'il faut que tu reviennes dans les limbes éternelles, et que tu ailles jusqu'au paradis divin, enfin au sanctuaire divin, et que tu battes Philomène. Et après, je sais pas, j'ai besoin de votre aide, vous pensez qu'il faut faire quoi? Vous avez kiffé la vidéo de Krakonix sur B3313? Vous savez que je le prends très mal, parce que le jour de mon anniversaire, j'étais en live sur B3313. Je l'ai terminé en live, pendant 8 heures de live, et vous n'étiez pas là pour mon anniversaire en plus. Je suis déçu. Quelle différence cela fait? J'en ai marre, j'ai une 3DS Jack. Quand je change de jeu, il y a gargarisme. Gargarisme? Vous savez ce que c'est, gargarisme? Donc je sais pas si vous êtes au courant les gens, mais sur la chaîne Kirben Deluxe, il y a une vidéo aujourd'hui, Super Smash Bros. World of Light, randomisé Nuzlocke, qui est sortie. Et dedans, j'ai aussi reskiné plein de persos, genre il y a Jibanyan, il y a les persos de Fortnite, il y a Luffy de One Piece, tout ça, tout ça. Donc allez voir. Alors, tu as fait une grosse bêtise et tes parents te grondent. Que réponds-tu? Ignorer, la sortie est plus près. Excusez-moi, vous recevez un article moyen. Punir quelqu'un d'autre. Accuser quelqu'un d'autre. La sortie est plus loin, vas-y. Bâtard. On va arriver à 6000. Comment t'as fait pour avoir pot-au-feu? Alors, pot-au-feu, il faut le combattre plusieurs fois. Et normalement, il est censé... Je crois qu'il faut d'abord lancer la quête, je suis pas sûr. T'as une quête que tu dois lancer avec Lucas. Il va te parler d'un yokai dans un miroir, etc. Et en fait, eh ben, tu dois te combattre contre pot-au-feu une fois que t'as lancé la quête. Et il a un taux de drop qui est très, très bas, hein. Merde. Donc, il a un taux de drop qui est bas. Bah, comment ça je peux pas charger ma... Ok c'est bon. Donc il a un taux de drop plutôt bas pour te donner un objet qui est une espèce de goût noir ou je sais pas quoi. Ah oh, bah je vais essayer tiens. Et en fait si tu l'amènes ouais faut d'abord lancer la quête, si tu l'amènes au miroir cet objet, ça te génère un pot-au-feu. Ouais attendez la porte elle est arrivée à 8000 mètres, c'était quoi ce troll? Alors vas-y, un ennemi puissant veux-tu te... Ok donc ça va changer je pense la sortie vu que l'aléatoire il change de truc, il y a un ennemi puissant devant toi. Oh non! Ok là ça change rien, c'est juste un combat, oui. J'ai un secret, voilà le secret c'est qu'en fait je suis ton casque. Twitch! Mais le chat est aléatoire. Après au niveau de l'histoire, l'univers et tout, moi je connais pas. Donc je vais pas juger. Là je parle vraiment juste de... Comment c'est possible? C'est forcé? Je comprends pas. Parce que là, la fin elle est au même endroit que tout à l'heure. Alors que j'ai fait que de la repousser. J'aimerais bien qu'il m'emmène... Ouais vas-y. Ok, on va dépasser les 8000 non? Le troll. On a gagné genre 20 mètres. Non mais, y'a un problème. Parce que ça veut dire que je dois tout recommencer. On dirait une loupe. C'est le tunnel sans fin. On est condamné à le réessayer à l'infini. Ça se trouve, je vais devoir le quitter. Et genre juste, recommencer un autre jour, hein. Mais vous savez qu'on ne peut pas repousser la sortie du tunnel. Elle est fixe. Mais on dirait, hein. Donc en fait, c'est dans notre tête. Il est impossible de repousser la sortie du tunnel. Ou alors peut-être que tant que tu l'as pas fait un certain nombre de fois, tu ne peux pas dépasser une distance. Vu que c'est que la 7e fois que je le fais, peut-être que je pouvais juste pas aller au-delà des 8000. Ah, ce serait chiant, on a perdu une heure pour rien, quoi. Mais bon, bon alors je change la date et on y va. Et on va mettre en beaucoup plus rapide. Hein. Alors là, par contre... 2000 years later. Fais le 100% du Kawash 1, tu peux te... Non. J'ai vu tes commentaires, hein. C'est... J'ai pas des... Oh, Clucky, je l'ai pas. Yes! On n'aura pas fait ça pour rien quand même. Ok, voilà. On a dépassé les 8000 et normalement on est dans la zone où on peut avoir Corniak. Donc bah écoutez,
Espérons tomber dessus. Mon record dans le tunnel est de 70 km. Eh ben dis donc, GG. Il y a des gens, vous avez vraiment pas de vie, hein. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une douche? Dynamo, waouh. Imaginez, je deviens ami avec lui. Je l'ai déjà, hein. Dynamo. Destin, t'as toujours effrayé, pourquoi? Ok, il devient pas mon ami. Bon. On sera pas trop dégoûté. Non, mais par contre, mais genre, des combats, là, il y en a beaucoup. Et en fait, je m'en contrefiche, quoi. Genre, c'est pas le yokai que je veux, mais c'est ce que je dis. En fait, il y a plein de yokai rares ici. Et en fait, c'est pas très rare de tomber sur un spawn de yokai rare. Mais en fait, ce qui est rare, par contre, c'est genre juste de... Enfin, de tomber sur celui qu'on veut. Parce qu'il y en a trop de différents. Ferrant, j'ai même pas sauvegardé, là. J'ai abandonné un peu. Oh non, je l'ai trop loin. Ouais, presque 11 000, hein. Mais là, ça va être la fin. Oh my god, wow. On dirait que Sudika veut se battre. Veux-tu te battre? Alors je fais plusieurs multiple safe state. Multiple. Il aime quoi déjà? Les légumes, je crois. Alors, let's go. Bon, il va être un peu fort cependant, je pense. Donc, il est envoûté. Let's go. Alors, l'amitié, l'amitié, l'amitié. Ah. Quoi? J'y arriverai pas. Ah si, c'est bon. Amitié plus probable. Maintenant, bah en fait, faudrait avoir la bulle, quoi. Il me faudrait la bulle, en vrai, hein, ça me saoule. Hein. On va essayer le combat se passer comme ça, mais... Putain, bon bah vous pouvez le terminer, c'est bon. Allez, tuez-le vite. Premier coup, j'annonce. Ah, je sais pas, hein. J'espère. Et salut, Noah. Vous vous rendez compte, quand même, qu'on aurait pu passer des jours et des heures pour ça? C'est honteux. C'est vraiment honteux, Yokai Watch. Ça, c'est... Comment ils ont pu faire ça et se dire que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Premier après celui-là. Avant de dire tout le temps ça, ça finira par marcher, ouais. L'amitié, c'est sur son entrejambe. Waouh. Choc barre. Allez, la bulle, la bulle, la bulle. Fais quelque chose, la Pandanoko. Il n'y aura pas eu la bulle, hein. Merci, Pandanoko. Panda casse-couille. C'est chiant! Mimi, eh ben voilà, je l'ai trouvé à la fin. Ça va, Mimi? Gardez. Mimi. Oh, Mimi. Oh. Dis bonjour. Attends, faut que je te soulève. Coucou. Regarde la caméra là. Mimi. Elle veut pas. Elle veut regarder mon doigt. Bon. Voilà, reste là. Vous voyez sa queue? Bon, elle est où la bulle? C'est chiant. Là, j'ai mis les yokai les plus nuls, comme ça ils font aucun dégât, comme ça la bulle va bien arriver un jour. Oh oh oh. Trop nul. J'ai eu qui aujourd'hui? Juste Claquille, parce que ça fait depuis le début du stream qu'on essaye de l'avoir, lui. À la fin du stream, 94%. Je crois qu'au début on était à 93, donc on sera, ouais, 93 ou 94. Ça va pas être plus. Comment ça tu loupes tout? Il est sérieux? Devenir ami est encore plus long que la recherche. Ne parlez pas de malheur, ne parlez pas de malheur. Ah, par contre, ils sont relous là, ils attaquent jamais. Mais c'est quoi ces yokai de merde? Allez. Foxabaf! Putain! En fait, il faut qu'on ait la bulle dorée avec les cœurs dedans. Coucou, Kirono, comment vas-tu? Je sais que tu aimais Komasan, mais c'est vraiment lui qui a fait la casquette. Oui, c'est sa peau. Il est mort de vieillesse, donc il a dit moi, Komasan, mort, c'est marqué sur son testament. Je veux devenir la casquette de Kirbendo. Oh! Let's go! C'est bon! Pff, bien sûr que je vais me lier d'amitié avec lui. Comment je vais l'appeler, là? Je vais même pas écrire casse-couille. Je sais pas, trou du cul, vas-y, merci. Trou du cul, si ça marche, parce que vraiment... Voilà, jamais aussi bien nommé un yokai. Voilà, trou du cul. Vas-y, mets-toi dans mon putain de médalium. Sauvegarde, tout de même. On met en super vitesse, mais genre vraiment super vitesse de la mort, là. Et on quitte le tunnel le plus vite possible. Voilà, c'est bon, on s'est échappé avec un nouveau record, on est bien content, tiens. En heure de jeu, je sais pas combien de temps on aura passé dessus, hein. Parce qu'on a passé 3h30 et tout, mais genre vu l'accéléré et tout, on aura passé vraiment plus de temps, hein. Bref, Corniak, quand Rhino Limite atteint un pouvoir supérieur à ses pairs, il peut accéder au statut très rare de Corniak. N'est pas affecté par la défense adverse, super. En plus, il a l'air fort, hein, mais bon. Ok, c'est bon. Urnaconda dans les égouts de Grand Val, Muren dans les égouts de Grand Val. Et Somoni, on sait pas où. Donc Urnaconda et Muren, en vrai... Ah, mais j'ai pas bien ouvert les égouts. Oh, faut que je trouve les différentes entrées, c'est ça.
Vas-y, hein. Alors, il n'y a pas une entrée des égouts par ici déjà? J'ai oublié les entrées des égouts. Je sais qu'il y en a une à gauche. Ça, on y est déjà allé, c'est sûr. Mais là, il y en a une là, ouais. Après, je suis peut-être pas obligé d'explorer, genre, tous les souterrains, hein. On peut aller pas. Oh! C'est quoi le délire du syndicat Sésame, là? Pourquoi on peut pas mettre un marque-page? Donc, Urnaconda rang C et Murène rang D. Donc, rang C et rang D. Le mec, il se demande pourquoi il y a un gosse qui rentre dans les égouts. Non, il s'en fout, hein. Irresponsable. Vraiment. Grand E, c'est C et D qu'il faut qu'on surveille. Un mec de merde que tout le monde se demande pourquoi je suis toujours pas devenu son ami, hein. Allez, Murène. Je sais pas ce qu'il aime. Ok, ils vont être one shot. De la viande! Ah ouais! J'en ai plus énormément. Un point de dégâts. Et à pas être si nul, hein. Y a vraiment pas être si nul. C'était là. Ah voilà. Ok, en voilà un. Je peux utiliser les objets, vas-y. Bon là par contre il y en a bien un qui va devenir mon ami, non? Faudrait qu'il y ait la bulle avec tous les cœurs. Que là les trois vont être taquinés, les trois vont être nourris normalement. Corniac, bah oui j'ai galéré. J'ai mis combien? 2h30? Mais on l'a eu. Ah bah voilà, tout de même, tout de même. Je ne t'aime pas particulièrement, mais va te faire foutre. Moi, tu crois que je t'aime? J'aurais oublié ton existence dans quelques minutes. Avec ta grosse langue, là. Et pourquoi t'as un éventail derrière? Ça n'a aucun sens. Tu sers à R, mon gars. Donc là, on cherche un rang C, maintenant. Dans les égouts. Ah, ça coûte super cher! 180 euros du bœuf! C'est où l'entrée des égouts, ici? On a forcément une, non? Y a pas d'entrée des égouts sur cette map? Dans la contre-allée. Contre-allée. Ce serait pas là? C'est une plaque d'égout dans la ruelle. Ah oui! Je me souviens, merci. Urnaconda, on le trouve genre dans l'eau. Est-ce que c'est bien Urnaconda? On le trouve genre en faisant la loupe ou on le trouve sur la map? Sur la map? Ça veut dire genre les petits yokai rouges qu'on voit là? En fait, il faut vraiment que je fouille tous les égouts quoi. Après, si j'observe un rang C, j'irai peut-être quand même vérifier, mais ouais. Il y en a pas beaucoup des yokai hein, sur la map, c'est un peu chiant. Ça dit quoi sur le tunnel sans fin? Quoi, Kube? Mais il est rare lui! Je l'ai hein. Mais il est quoi? Il est sinistre? Oui, je l'ai. C'est dingo! Vas-y pour le délire. J'ai même pas de sauvegarde parce que bah on l'a mais. Ah par contre il y a celui que je veux en fait. Attendez, le délire c'est que je me retrouve dans un combat où en fait je vais essayer de devenir ami avec un yokai nul dans le combat alors que. Normalement c'est le yokai fort qu'on veut quoi. Nous on veut Urnaconda. On veut pas l'autre. Il aime quoi lui la viande? Bah alors on va même pas le nourrir. Ça c'est une fraude. J'essaye de devenir ami avec le yokai le moins rare du truc. Allez, maintenant on peut les tuer. Pitié, que je devienne ami avec Urnaconda. Pitié. Yes! Alors, ça, c'est littéralement aberrant. On est dans un univers parallèle. Hein. Quelqu'un aurait forcément dit yes s'il était ami avec Vampiloc et pas Urnaconda. Et moi, je suis à l'envers. Mais je l'avais pas. Donc, très bien. Comme ça, on a eu de la chance. Dans la chance qu'aurait pu être une malchance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, alors l'autre, c'est une évolution, c'est ça, Somoni? Ouais, niveau 27. Ok. Let's go! Vas-y, évolution! Somoni. Bah écoutez, une autre page c'est presque rempli. Mais attendez, par contre, j'ai vu un truc qui me fait peur là. Genre, y a pas une couille dans ce truc? Enfin, je sais pas où elle est. Parce qu'il a l'air d'avoir une longue queue, mais sa couille, je sais pas où elle est. Mais. Tourneboule. Égout de Grand Val. Blaster Bingo Kai. Sérieux? Ou Mont Sylvestre Bingo Kai pièce bleu ciel. Ça s'appelle comment en anglais, tourneboule? Y a pas assez d'infos en fait. Ouais, on va essayer d'aller au bingo déjà. Mais je veux voir. Il est rare, non? Dans la voie du mystère, c'est pas marqué. In the underground waterway. Ah, route 4 of mystery way. Ouais, c'est marqué. Bon, on va peut-être commencer par faire le bingo kai. Et après, on va aller à cette fameuse route 4. Donc, pièce bleu ciel, est-ce que j'en ai? J'en ai deux. Comme ça, on a eu quand même 3 yokai rapidement. Ça, c'est pas mal. On s'en fout pas de savoir comment il s'appelle en anglais. Les informations sur Yukawash sont très compliquées à trouver. Genre, y a un peu n'importe qui, enfin, qui a écrit un peu n'importe quoi. Partout. Donc en fait, genre quand tu veux savoir comment trouver un yokai, il faut vérifier sur plusieurs sites et regarder les informations qui se recoupent. Et donc c'est pour ça que je me demande comment il s'appelle en anglais à chaque fois pour les yokai, parce que comme ça je peux aussi vérifier en anglais ce que disent les guides. Parce que si on s'était fié qu'au guide français, il y a plein de moments où on n'aurait pas pu avoir le yokai. Genre on aurait cherché des heures à un endroit où on pouvait juste pas l'avoir. Allez, pièce bleu ciel. Les gens, laissez des pouces. On croise les doigts, dites-moi bonne chance dans les commentaires et... En plus, c'est même pas un rang S je crois, donc il faut pas forcément qu'on ait le doré hein. Let's go. Sirène. Non. Oh putain. Ok, donc Mystery Way. Bah, j'ai jeté chat, bah, il est là, sur mes genoux. Tout à l'heure, j'en ai montré une, mais là, il y en a un autre. Waouh, voilà. Talo.
Vas-y, non, repose-toi, sans me déchirer. Oui, aïe. Bon, alors. Ok. C'est laquelle, la route 4? Route 1, ok, d'accord, très bien. Route 2, route 3. Ils sont sur route 4, ça me paraît bizarre. Cherche qui tourneboule. Ok, route 4. Je suis sûr, il est tarpin rare. Oh, quoi? Bah, il est pas rare, non? Je fais une petite sauvegarde quand même, mais normalement, je vais pas l'utiliser. Je crois qu'il est pas rare. Hein. On a même pas regardé ce qu'il aimait. Les bonbons, ok. Vas-y, c'est bon. Ok, bah, très bien, allez-y. Ah, mince. Bon, regardons quand même. Mais attends, ça apparaît, les yokai? Ah, bah, il est là. Non, mais ok, c'est bon. Hein? Mais il abuse! Comme ça, il veut pas devenir mon ami. Bah, non, j'ai pu avoir de granité, c'est un peu chiant, mais bon. J'ai confondu avec Bababou. Ah, ok. Mais Bababou, en plus, je l'ai par contre. Lui, j'ai dû l'avoir au Bingo Kai. Mais il veut pas venir, hein? What? Ouais, en fait, j'ai plus de granité maintenant. Il attribue des insaisissables, il y a moins de chances de l'avoir. Alors, ça a été dit la dernière fois que c'était vraiment un mythe. Surtout qu'en japonais, je crois que ça s'appelle même pas insaisissable, quoi. C'est un truc que vous racontiez dans les cours d'école, mais qui est complètement faux, en fait. Non, les insaisissables sont hardcore, promis, regarde Noko. Ouais, tu viens d'en dire un. Corniak était plus difficile à avoir et pourtant, il est pas insaisissable. Si aussi Pandanoko nous faisait venir la bulle qui renforce l'amitié, ce serait pas mal. Mais vu que Pandanoko il est raciste, après c'est ce dont personne ne veut jamais parler. Hein. C'est le secret de Polichinelle dans la salle. Mais, en fait, il y a interdiction qu'il devienne mon ami. Imaginez, on met plus de temps à l'avoir que Corniak. Ne parle pas de malheur. Vas-y, deviens mon ami sans supplie. Putain, y a un problème. C'est quoi cet aléatoire là? Je vais câbler. Yes! On l'a. Normalement, on l'a. C'est bon. Ah! C'est pas la meilleure bouffe. Donc, c'est pas sûr. En fait, il y a beaucoup de chance, mais c'est pas sûr. Enfin, j'espère que c'est pas Muren avec lequel je vais devenir ami. Hein. Ok, c'est bon. Yes! Enfin! Bien sûr que je me dis d'amitié avec lui. Ok, bon, ça va être la fin du live. Moi, il va falloir que j'y aille. Mais, regardons ce qu'on va faire la prochaine fois. À moins que ce soit un truc qu'on peut faire vraiment vite fait. Lui, on l'a eu aussi aujourd'hui. Hein. Pas mal. Ouais, y a ça. Eh, mais attendez. Il nous reste plus que 3 insaisissables à avoir. Et après, genre, c'est fini. Il va y avoir sûrement un live des perfides. Et ces trucs de merde, là. Ouais, ça, va falloir les recapturer. E2, Ultra Max. Bah, écoutez, c'est bientôt terminé, en vrai, hein. Donc, Bananar. Bananar, c'est peut-être un peu rare, non? Vipéral et Viperflé. Je crois que ça va pas être bien compliqué, hein. À mon avis, ce sera pas très compliqué. On sort d'ici. On va regarder aussi à combien on en est du médaillon. Sur KVH 3, je l'ai 100%, c'était l'enfer. En combien de temps? Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit qu'il avait mis 700 heures. Bref, alors combien de pourcents du médaillon? Vous dites combien là? Vous préchotez combien les refs? Je pense 94. 94, 95 max, peut-être 95 en vrai. Hein. 93, c'est pas impossible. Allez, on regarde. 96! Je me suis sous-estimé et merci à tous ceux qui ont cru en moi. Bref les gens, merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas de laisser des pouces sur YouTube. La semaine prochaine, on se retrouve pour la suite en stream. Et en vrai, je pense qu'il reste que 2 ou 3 streams. Hein. Ça va aller vite, hein. Et après, on aura terminé Yuka Watch. Enfin... Après, on fera un dernier stream où on va battre Orkanos, qui durera peut-être 20 minutes ou beaucoup plus longtemps. On verra bien. Bref, merci à tous. N'oubliez pas de laisser des pouces. Les gens, n'oubliez pas de laisser des pouces vers le haut, commenter, partager, vous abonner. Et à la semaine prochaine pour la suite. Salut !